Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Andrea, le Zandou Maya, comme sûrement vous connaissez déjà cette marque de cosmétiques soins naturels faite à Genève localement. Franchement, merci de m'avoir proposé cette interview, j'adore tes vidéos. En plus, ce qui est rigolo, ce que vous ne savez peut-être pas, on se connaît d'une ancienne vie dans une équipe de cheerleading. C'est quoi? Wow. Ouais, comme d'hab. Tu crois quoi? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Si vous ne nous croyez pas, et ben la preuve en image, là maintenant. Bon, ça c'était pour le cheer, mais on va parler de ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui. Donc ta marque Zandou Maya, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors, Zandou Maya, c'est une marque de cosmétiques naturels et artisanaux. C'est une marque qui est plutôt dédiée aux personnes qui veulent prendre soin de soi, mais qui veulent pas compromettre leur santé et l'environnement. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée en fait de commencer ça? Ouf, longue histoire. Il y a quelques années, comme plein de jeunes filles, je prenais la pilule contraceptive sans trop me poser de questions là-dessus et j'ai décidé d'arrêter, ce qui a eu par effet un dérèglement hormonal sévère. Ça s'est traduit par un acné d'adulte, des problèmes de foie, j'ai perdu 50% de la masse capillaire, j'ai eu l'apparition de mélasmas sur mon visage et plein d'autres désagréments. Ce que mon gynécologue et mon dermato me conseillaient, ça me convenait pas du tout. Ça marchait quelques temps et après ça revenait, enfin c'était vraiment un enfer. Jusqu'à ce que ma mère, elle ait vu, je sais pas comment, une publicité d'une formation en cosmétique naturelle. Et du coup on a décidé toutes les deux de faire cette formation. Mais à la base c'était pas du tout en mode on va créer une entreprise. C'était vraiment pour mes soins personnels. Oui. Et puis pour mon entourage, les gens ils ont commencé à me dire non mais tu veux pas me faire ta crème, tu veux pas me faire ton sérum. Et il s'est trouvé que ma mère elle a perdu son job à ce moment-là. Et puis je me suis dit mais pourquoi pas en faire quelque chose de tout ça. Et c'est comme ça qu'on a lancé Zandou Maya. Trop bien. Ah non, le chômage c'est un cadeau du ciel, je vous l'ai dit. Et en plus faire un truc de famille, mère-fille, c'est... Je sais pas, moi ça me grève, tu vois, je trouve ça génial. Au tout début, j'avais peur qu'on se prenne beaucoup la tête et que ça gâche notre relation. Mm-hmm. Je te rassure, on se prend toujours la tête. Ok, ça va, alors parce que si vous prenez pas la tête, il y a un souci. On se prend toujours la tête, mais pas à cause de Zandou Maya. Ok, ça va. Sincèrement, la plupart des décisions et tout ça, ça se fait naturellement. Excusez-moi, on s'est mis derrière un toboggan, grossière erreur. Andrea nous accueille chez elle parce qu'on va faire une petite recette ensemble. Elle va nous apprendre à faire une chantilly corporelle. Voilà, parfait. Voilà. Si jamais j'ai déjà tout désinfecté avec de l'alcool à 70 degrés, on aura besoin de karité, de l'huile de jojoba, du aloe vera, de la fragrance et de la vitamine E. On a de la fragrance coco aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on a coco. Qu'est-ce que je fais d'abord? La première étape, c'est de faire fondre le beurre de karité et ensuite de rajouter l'huile. Alors là, j'ai choisi l'huile de jojoba, mais vraiment, on peut mettre de l'huile d'olive, peu importe. Prends la cuillère. Oui, tu peux prendre la cuillère. Là, on a déjà un bain-marie, mais si vous n'avez pas chez vous ce genre de petite machine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire votre propre bain-marie avec une casserole de... Une casserole. Une casserole. Une casserole d'eau et une autre par-dessus, comme si vous faisiez une recette de pâtisserie. C'est la même chose. La cosmétique qu'on fait, en tout cas, à la maison, ça ressemble beaucoup à la cuisine. Pourquoi est-ce que tu penses que ça fait vraiment du sens de faire ses produits soi-même, de prendre en considération les ingrédients, les emballages, le plastique, etc. Oui. Premièrement, comme je t'en ai parlé, du côté santé, dans les produits, on va dire, conventionnels, on retrouve beaucoup de perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'on vit dans un monde déjà assez pollué, si on peut déjà éviter d'en rajouter. Parce que quand on se tourne vers la cosmétique naturelle, on est quasiment sûr que les ingrédients sont biodégradables. Aussi, utiliser des cosmétiques qui sont dans des emballages plus nobles comme le verre par exemple. Alors j'y suis presque là. Je vais venir te rajouter donc petit à petit l'huile de jojoba et là tu vas venir verser la totalité de cette préparation qu'on va mettre au réfrigérateur pendant 30 à 45 minutes. Ok.
Pendant que notre petite recette repose au frigo, on va faire un petit jeu question-réponse sur le petit tableau blanc. C'est les amours. Voilà, exactement. Comme j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai que je continue à beaucoup commander en ligne. Mais à cool, pas. Deux saisons, je trouve que c'est déjà difficile de manger végétarien. Ouais. Moi, j'essaie de faire sans gluten, sans sucre. Enfin, voilà. Oh, les avocats. Ou genre, ouais, mon truc vraiment, c'est les tomates. Que ce soit pour faire une sauce à la pizza, une sauce à pâte. Sauce à pâte. En Suisse, deux saisons, c'est un peu pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre, quoi, l'hiver. Hein, y a que ça, en fait. Si je réponds un truc, ça va être tellement cliché, genre Greta ou... Oui. Bon, vas-y, je mets lui de façon, tant pis. Hein. Non, je veux pas. Oh, le fan club. Non, il est... Que dire, ses vidéos, tout ce qu'il fait. Non, ouais, mais... franchement, il est super. Pas. Ah, placement de produit, elle vend des gourdes en Doumaya, si jamais. Pas du tout. Là, c'est pas mal. Je trouve que vraiment, ça, c'est le truc que tout le monde peut faire sans trop d'efforts. Gommage marc de café. Je fais maintenant après mon petit gommage avec le marc de café, puis du sucre brun, et puis je mélange avec l'huile de coco ou quoi. Petite astuce pour le marc de café, on peut le mettre pour désodoriser des chaussures, des choses comme ça. On peut l'utiliser pour fertiliser des plantes. Les possibilités ça me donne sont infinies. Non, mais à part ça, ça vient de me donner l'idée de faire une vidéo. Merci Marie. Enfin, c'est quelqu'un qui est à fond, quoi, et elle mérite vraiment un petit peu d'attention sur les réseaux. Go follow. Carouge zéro déchet, moi j'aime trop, quoi. Ils mettent plein d'astuces, ils font plein d'ateliers sur Genève et ils distribuent des poubelles vertes. Je vois du concret dans ma ville, en fait. Ouais. C'est et j'aime trop ça. Marie, alors tu nous montres qu'est-ce que ça donne la préparation quand elle sort du frigo. C'est un glaçon. Voilà, on aurait pu verser tous les ingrédients directement dans le contenant et ça aurait fait juste un baume. Mais comme on veut faire un truc plus fancy, on va pouvoir le battre en chantilly. On va mettre l'aloe vera, la fragrance et les gouttes de vitamine E. On fait un ajout à la fois et on va bien battre entre chaque ajout. Ok. Oh waouh. Waouh. La consistance est super dure. Bah oui. Ok, là ça commence à... Voilà. Combien de gouttes? 20. Et on finit par la vitamine E. Parfait. Avec ça, tu vas venir enlever de l'excédent pour pas perdre de la matière. Je vais te préparer la poche à douille. Tu veux le prendre comme ça? Cette étape, elle est vraiment optionnelle. C'est juste parce qu'après, quand on va mettre dans le contenant, ça va faire joli. Marie, je te prendrai pas à non, mon atelier. Non, désolée. Moi, j'ai du potentiel, mais il faut de passion. Si Marie peut le faire, vous pouvez le faire à la maison. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Comme ça? Ouais. Comme si tu ferais un beau gâteau. Mais elle est bouchée. Mais non, elle n'est pas bouchée. Ah, oh, c'est beau. Bon, bah voilà, c'était l'idée, en tout cas. Voilà. Bah du coup, je vais te faire tester un petit peu sur la main. Fondamentalement, quelqu'un qui part des produits industriels conventionnels et qui veut transitionner vers une marque de soins purement naturel. Quel conseil donnerais-tu et quelle chose à faire attention? Déjà de ne pas acheter ces produits en supermarché parce que ça ne va pas être quelque chose de très qualitatif. Allez plutôt en magasin bio, magasin spécialisé. Pour les produits naturels, il faut mettre un petit peu le prix. Mmh. Les matières premières naturelles coûte cher. D'ailleurs, c'est pour ça que les industriels, ils se tournent vers des ingrédients de synthèse, en fait. Et toujours regarder la liste d'ingrédients. Moins on a d'ingrédients, moins on a de chances de trouver des saloperies à l'intérieur. J'ai encore une toute dernière question avant qu'on conclue cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de projets futurs pour ta marque? Oui, on est en train de travailler en ce moment sur une gamme pour le visage. Donc on a revu toute notre gamme et on m'a beaucoup demandé des crèmes pour le visage. Donc ça arrive très bientôt. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. On va maintenant vous parler rapidement du concours. Andrea et moi, on a choisi un petit lot à gagner et on va vous expliquer ce qui inclut.
Alors, vu que Marie aime bien notre gamme capillaire, on a décidé de vous faire gagner un shampoing solide, un soin capillaire sapoté et un sérum capillaire pour les pointes abîmées. Donc, pour participer au concours, comme d'habitude, il faut être abonné au compte de Vandou Maya et au compte de Dandy Trashy. Il faut repartager cette vidéo dans votre story en nous taguant pour qu'on puisse le voir. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si jamais vous avez un compte privé. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Andrea. C'était trop bien. Non, merci beaucoup, Marie. Merci. Ciao. Ciao, les gars. Bonne journée.